وبقي نستضيف دونك المستشارين الكبار معنا اليوم دونك من اكبر المستشارين في تونس دونك اللي هي اتصالات تونس مدام سونيا لوغيني دونك مديره الاتصالات باتصالات تونس مرحبا بك عايشك في الاتصالات تونس دونك سي من اكبر المستشارين في تونس ومن اكبر المستشارين اللي عملوا برشا على لا سيتوينتي تو سكي معناتها لي غولاسيون معناتها دو بروكسيميتي مع الشعب التونسي وظهر زاد هذا ايضا في 2011 كان تحكي لنا ان بتي بيلون على 2011 في الاتصالات اللي عملوا لو بيلون دو 2011 ما ينجمش يكون بتي نو بو اتر كو غران غران كوم لوند لامبليتود دو لوند كي سي انونسي au démarrage de l'année et qui a coïncidé avec mon arrivée au sein de Tunis Telecom aussi. Donc, Tunis Telecom, fin janvier 2011, quelques jours seulement avant la révolution, quand ça grondait déjà. Exactement, exactement. Pour moi, c'est une année exceptionnelle, au-delà de tous les éléments qui l'ont composée. Donc, bilan, en fait, je reprends le mot révolution. Le boom de la révolution au niveau politique, au niveau social, bien entendu, à l'échelle du pays, toutes les couches sociales, donc tous les citoyens tunisiens. Mm-hmm. On s'adresse à tous les citoyens tunisiens, donc l'onde, elle est répercutée sur nos produits, nos marques, sur Tunisie Télécom. Donc un grand boom, et il s'en est suivi de très grands chamboulements dans le secteur de la communication et dans le secteur de la communication qui intéresse un opérateur telco en particulier. Je citerai en vrac la prolifération du nombre de médias, l'émergence de nouveaux comportements médias qu'on ne connaissait pas, le boom d'Internet, le rôle majeur et primordial qu'a joué Facebook dans la révolution et au-delà. Aujourd'hui, le premier média, c'est Facebook. C'est-à-dire qu'à travers, on se connecte sur Facebook. Je dis on en général, hein, pas que moi. On se connecte sur Facebook pour après aller vers une télé en streaming, voilà, vers un journal en ligne ou bien un journal papier qui a une édition en ligne ou une radio ou toute autre chose. C'est le rôle de l'Internet qui est plutôt accaparé par Facebook aujourd'hui. Je crois qu'il évoluera. Je pense que les esprits s'apaisant, il évoluera. Mais c'est un rôle que jouera Internet plus largement que Facebook en particulier. Et donc, de nouveaux comportements médias chez les Tunisiens qu'on se doit et qu'on doit accompagner. Khater, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que le média, pour un annonceur, quel qu'il soit d'ailleurs, c'est un lieu de rendez-vous avec une cible. C'est ni plus ni moins ça. Donc, en tant que citoyenne, peut-être que je m'intéresserai à certains médias en particulier qui vont être en affinité avec mes attentes face à un média, en distraction, en divertissement, mais aussi en information, en enseignement. Donc il a toujours ce rôle éducationnel, le média. Et c'est tant mieux d'ailleurs, donc plutôt. Et donc au-delà de ça, de l'aspect personnel, pour l'aspect professionnel, c'est un lieu de rendez-vous. Donc on va là où notre cible pourrait être ou est susceptible d'être pour la croiser dans son intérêt, par exemple, par rapport à de l'information, de l'apprentissage ou du divertissement, de la distraction. Nous, on l'accompagne par un message commercial, un message institutionnel. Un petit coucou en fait. Exactement. Soit qui soit juste le coucou, soit grevé d'une offre commerciale qui va renseigner sur un nouveau produit, sur une promotion ou toute autre chose. Voilà. Et en termes justement de nouveaux produits, Tunis Telecom, je suis allé à la Kibir en 2011, et la 3G. Oui. Tout à fait. Ce n'est pas juste. Vous êtes un vecteur de passage absolument, par rapport à... Absolument, mais ça c'est ce qui caractérise les telcos justement. C'est un secteur qui est à la fois consommateur de médias mais aussi promoteur de médias. Donc c'est l'internet à très haut débit avec la 3G++ de Tunis Telecom. On risque peut-être de paraître opportuniste pour promouvoir cet outil et la 3G qu'on a lancée au mois d'août. Aujourd'hui et maintenant...
il vous est possible de vous connecter à vos sites préférés, donc à être à jour sur tous les niveaux et encore plus pour l'information, donc à accompagner l'information au moment où elle se passe, grâce justement à ce genre d'outils, donc en vous connectant avec une clé 3G ou voilà, en ayant une connexion sur votre mobile qui supporte les connexions 3G. Voilà. Comment ça s'annonce, Alphine Ouattnach ? Sous les meilleurs augures, Inch'Allah, avec beaucoup d'optimisme, pour la marque en particulier, qui continue à progresser, à faire progresser ses produits, à introduire d'autres nouveautés, Inch'Allah, mais également pour le secteur, avec la, la prolifération positive et constructive des médias, que ce soit les journaux papier, que ce soit les télés, TWT également. Je lui présente mes voeux de réussite, justement, on en profite, mais également les autres télés, je dois dire l'ardum, hein. Même celles qui existaient avant le 14 janvier, on remarque qu'elles évoluent, et tant mieux, donc c'est tout le paysage qui s'est libéré, qui va évoluer au grand bonheur des consommateurs de médias, avant tout, donc, que sont les téléspectateurs, les lecteurs de journaux, les auditeurs des radios et les internautes. Je crois que madame, je crains. Merci.